Bien, 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 bien. Bon, j'avais fait tous les réglages la dernière fois, donc ça devrait bien aller cette fois. On devrait pas voir le jeu ramer. Je pense pas que Sonic 2 prenne beaucoup plus de performance que le 1. Et on a Fleur qui est là. Hey, à toi. On a DBTG. T'avais. Vous êtes toujours là. Évidemment, ça fait plaisir, tout comme toi, Odd. Salut à toi. Alors, on va y aller un par un. On va voir si tout marche bien. Alors, bon, il me dit démarrage en cours pour le flux. Ok. Je vais attendre que sur l'interface YouTube, il me confirme que ce soit bon. Je vais faire un rafraîchissement pour voir. Démarrage en cours. Il me dit que c'est toujours démarrage en cours. Bon, bah écoute, si tu veux, hein. Vous me voyez. Bon, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Mais moi, je vois pas mon flux qui est en direct. Je ne démarrerai que quand je le verrai en direct. Et là, c'est marqué toujours démarrage. Vous me voyez ou pas là? Enfin, c'est en cours, vous? Vous me voyez en stream là? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu long. Ah, attends, je crois que ça démarre. Ah, en direct. Ok. Donc là, je vais arrêter. Voilà. Là, il me dit que le flux, il est en orange. Bon, j'espère que ça suffit. Ok, pour ça. Bon, très bien. Bah, je pense qu'on va pouvoir démarrer doucement. Le chat, je vais me le mettre. Oh, bah de toute façon, je pense que je vais mettre le jeu ici. Voilà. Sega. Ah, Sonic 2. Alors là, c'est autre chose. Attends, déjà ça marche plus. Non. Non, mais tu marchais. Oh non, manette, s'il te plaît, me fais pas ça. Comment ça va, mon kishtifou? Bah ça va, mais elle était censée marcher, la manette. Alors attends, à part si je dois resetter les configurations à chaque fois. Ah là 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 là, j'y étais, Jules. C'est toujours comme ça. Paddle, light phaser, keyboard. Mais c'est pas un keyboard. Define. Ah non, mais c'est bien ce qui me semblait. Ah là là, je te jure, mais je te jure, c'est jamais comme tu veux. Surtout que là, il me propose même pas mon pad. C'est génial. C'est génial. Ah là là, je te jure. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait tous les réglages la dernière fois et là, il me reconnaît pas mon pad, mais c'est pas possible. Et le pire, c'est que je crois qu'il faut qu'il soit connecté, non? Pro contrôleur connecté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus maintenant, mon gars? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? C'est pas. Alors toi, du coup, bah on va te fermer, hein, parce que tu reconnais pas ma manette. Option. Non, attends, on va d'abord load. Je suis désolé, hein, je pensais que ça allait être réglé, mais bon, apparemment, faut toujours que ce soit compliqué. Voilà, pro contrôleur, c'est bon. On va essayer avec le joystick, même si la dernière fois, il m'avait fait un peu de bizarrerie. Ok,
Ok, on va essayer comme ça. Ok. Comment ça va? Bah, écoute, ça va super bien. Confiné, hein, comme tout le monde. La même au Canada, hein. Ça change pas, mais... Ah oui, attends. Attends, faut que j'aille dans les options. Il faut que je choisisse Sonic Alone. Parce que sinon, dans les... Comment on appelle ça? Dans les stages bonus, il va me faire n'importe quoi. Alors, je teste un petit peu avant. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, faut que je change. Faut que je change, faut que je mette... Faut pas que je mette l'analogue. Parce qu'il a du mal, l'analogue. Des fois, il a des... Des zones blanches. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Je veux aller à gauche ou à droite et il suit pas. Voilà, ça c'est fait. Et avant de démarrer, on prend un petit coup d'eau. Merci Yod. Comment ça va là du coup le... Au niveau de l'image, c'est bon. Au niveau du flux aussi, c'est bon. Au niveau du jeu, est-ce qu'il est fluide? Est-ce que ça saccade pas comme les autres fois? Ce serait bien. C'est tout nickel. Ah bah super. Ah parfait. Bon alors là c'est autre chose, hein, parce que par rapport à Sonic 1, lui je le connais infiniment mieux et je le préfère de loin. Et je peux vous dire que là on va beaucoup plus s'éclater. Pourquoi? Parce que dans celui-là on va avoir les 7 émeraudes. Parce que dans celui-là on va se transformer en Super Sonic. Ça c'est moi qui vous le dis. Enfin, je vous le dis, mais là je suis en train de faire le con un peu depuis le début. Surtout que là on peut faire le spin dash cette fois. Je crois qu'il faut que j'amène 30 30 télé. Attends, là il me fait peur là. Enfin, 30 30 pièces, je veux dire. Au checkpoint. Et le premier checkpoint. Enfin, checkpoint. Le bonus il est ici. Et attention, c'est parti, on s'éclate. Allez, première émeraude. Ouh, ça fait longtemps. Ah, oh, j'adore ceux-là, ils sont infiniment mieux que le premier. Mais il va falloir se concentrer pour avoir les rires. Bon, mais là c'est le premier, donc ça va aller. Par contre, comme je disais, si jamais j'avais amené Tails avec moi, c'est l'orgie. Dans les premiers, ça va. Mais après, quand il y a des boules de partout et tout, comme il a une latence, ben... Je me souviens d'où elles sont, mais c'est pas possible. Ben voilà, ces boules-là, là, il se les prend et du coup, il perd les pièces. Non, mais là, c'est toute mon enfance, les gens, là. Ouais, c'est bon, on l'a torché celui-là. On l'a torché. On l'a torché. Voilà, on a l'émeraude. Bon allez, ça c'est fait. Rien que dans le premier niveau, on peut en avoir 3. Je crois. Hein? Attends, si c'est ça, on peut en avoir 3. Qu'est-ce qui est le plus sûr à faire? Je ne sais pas. Ok. Ah tiens, attends, on va faire un truc. Je sais plus si c'est 30 pièces ou si c'est 50 pièces. Ah ça c'est mythique ça.
Dans le doute, on va se prendre 50 pièces. Et c'est là le deuxième. Bon, et ça se passe comment, vous, le confinement? Tranquille? Allez, deuxième. 50 rings. Bon, là, ça va commencer à se compliquer un peu plus. Merde, pourquoi je suis pas resté au milieu? Déjà, j'ai fait le con. Ah, je sais qu'il me manque 18 rings. J'ai fait le con. Allez, ça va, on a rattrapé un peu. On a 67. Allez, 100 rings. On n'abandonne pas. Wallé! Oh, ce bordel. Ah, c'était trop bien. C'est tellement ingénieux, ça. Wallé! Allez, ça descend. On les a, les 50. On les a. Allez, on se fait pas attaquer. À gauche. Au milieu. À droite. Nickel. Allez, 140 rings, il m'en faut que 9. C'est fait. Olé ! Je me souvenais de toi. Déjà l'émeraude ? Oh là là ! Moi ça va, j'ai fait 2 vidéos cette semaine, mais ça va. Bah, par rapport à d'habitude, c'est une bonne fréquence. Parce que je suppose que... Attends, je vais juste regarder un truc. Ouais. Parce que je suppose que tu as plus le temps de faire des vidéos. Avant de crever, on va se prendre ça. On va revenir en arrière. Voilà. On va aller chercher la troisième émeraude. Mince, comment on y va déjà? C'est là. Oh oh oh. Ah oui, je me souviens. Ça va être showtime, je crois. Ouais, parce qu'il y a des ennemis et tout. Et attends, je crois que je dis même des conneries. Ah non, c'est dans le deuxième qu'il y a... Il y en a un autre. Alors là, va falloir faire gaffe. Donc, première chose. Faut réussir à monter sur ça, là. Voilà. Là, et ensuite... Voilà. Nickel. On y va. Je crois que c'est à partir du quatrième où ça devient vraiment vraiment chaud. Il faut s'en souvenir et moi je m'en souviens plus. Mais bon, ça me reviendra peut-être. Olé. Olé. Oula. Combien là? C'est 50. Oh là là, comme je m'en souviens. Oh là là, la maîtrise. Ouais, bah non, pas tant que ça. Wolé. Salut Valeur Killer. Comment est-ce que tu vas? Plaisir de te voir. Et il me stresse là, il reste 13 rings. Allez, ça va et toi? Bah ouais, nickel, écoute. En confinement, hein. C'est pour ça que je stream un petit peu. Histoire de s'occuper, quoi. Hein. Pas trop le choix. Normalement, à ces heures-là, enfin un peu plus tard, je suis à un meet-up pour pratiquer mon anglais, mais bah, tout est fermé. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Yes!
3 émeraudes. Ah, je vous dis, ça va commencer à être exaltant dès le moment où on aura les 7. Salut Noé, tu habitais où avant de venir au Canada? J'habitais en France, à Lyon. Et toi, tu me regardes d'où? Je crois qu'il n'y a plus rien avant la fin. Il n'y en a pas un autre ici. Non, ça c'est au deuxième niveau. Donc là, on peut aller à la fin. Allez! Allons-y pour la zone 2. Donc là, on va doucement, c'est normal parce qu'il faut que j'amasse les anneaux pour pouvoir avoir les émeraudes. Je peux vous dire qu'une fois que ça se sera fait, ça va être sympa. Alors là, je crois qu'il vaut mieux que j'aille en bas. Ou c'était peut-être pas là. Pas encore. Et je me souviens plus où il est le premier. Je crois qu'il est pas si loin. Ah oui, je me souviens de ça. Hop, hop. Comment ça se fait que je peux pas y aller? Voilà. Si, le premier, il est par là, normalement. Je crois qu'il... Ouais, il est là-haut. Mais... Hop là... Ah d'accord, c'est là-bas. Il est ici, non? Ah non, même pas. Attends, mais j'ai la berlue ou je m'en souviens plus? Attends, ou alors... Attends. Ah, c'est grave, je m'en souviens plus. Ou alors il est là-bas. Ah ouais, oh là là! Je m'en souvenais. Oh, je m'en souvenais pratiquement plus, dis donc. T'as lui, il va être compliqué. Belfort, je sais pas si tu connais... bah si, le nom, je connais. Mais c'est en France? Mais c'est pas vers côté Bretagne, non? Je dis peut-être de la merde. Ça a été cette semaine de confinement? Bah ouais, en fait, j'ai bossé en télétravail. Donc toute la semaine, j'étais en télétravail, tu vois. Même le Sonic 3 est le meilleur. Ah ouais, mais le Sonic 3, on le fera aussi. Mais j'espère que je trouverai une ROM avec Sonic 3 et Knuckles en même temps. Parce que là, après... T'enchaînes les deux jeux et tu peux devenir hyper Sonic et tout. Enfin, c'est un truc de malade mental. Et puis la fin et tout dans l'espace. Enfin, c'est un truc de malade. Sonic 3 avec Knuckles, c'est un truc de malade. C'est en Franche-Comté. Ah, d'accord. Allez, attendez. Là, faut que je me concentre parce que celui-là, il est pas évident du tout. Je me souviens plus celui-là. Comment il faut le faire? Je sais qu'il va y en avoir au milieu. Putain, le premier, il était chaud, là. Waouh. J'en ai eu à peine plus que ce qu'il fallait. Sandy Ring. Et là, en fait, ça va commencer au milieu. Et je sais plus où est-ce que je dois aller après. C'est quand, déjà? Ça va être là. Oh là là! Oh là là! Ah! Wouhou! Oh non! Oh non! Oh putain, je m'en souvenais plus de ça! Ouh! Allez, 24 rings! Je sais plus où elles sont en plus! Oh là là! C'est showtime là! Je crois que c'est bon, je les ai. Oui. Oh là là, c'est bon. Yes. Yes. C'est bon. Oh. Franche-Comté, SNCF. Mort de rire. Eh, on en a 4. Plus que 3. Alors. Merci Valor Killer.
Merci, Odd. Et là, de toute façon, ça va être de plus en plus compliqué. Hein. Le cinquième, le sixième et le septième. Inoubliable, le septième. Inoubliable. Surtout avec la fin. Quand tu le termines en arc-en-ciel, là, c'est magnifique. Là, je vais aller récupérer ça, là. Ok. Alors, le deuxième de ce niveau, je sais plus où il est. Oh bah, il est juste là, mais attends. Parce que je suis pas sûr, peut-être qu'il faut une pièce supplémentaire. Y a pas une pièce que j'aurais loupée, là, quelque part? Une petite pièce. Ah bah voilà, elle traînait là. Et là. Ouf. Ok. Allons-y. Tu fais des lives avec les abos? Pratiquement jamais, mais c'est toujours possible. Après, je joue pas vraiment à des gros jeux, parce que mon ordi ne tiendrait pas. Mais après, qu'est-ce que tu entends par live des abos? Tu veux dire sur des jeux vidéo ou... Parce que ça peut m'arriver qu'en fait, je fasse des lives où j'invite des gens pour parler, pour faire des débats. Allez, mais attends, là par contre, faut que je me concentre. Là, c'est le cinquième, ça ne rigole plus du tout. Il m'en manque deux. Waouh, c'était chaud! À deux rings près! Ouais, je me souviens de ça. Oh, j'ai plutôt géré là. Ok. On est pas mal. 160 rings. Merde, je les ai pas eu en haut. Ah, c'est bon, on va y arriver. On y est arrivé. Ouh. Sur les jeux... Ouais, non, comme je te dis, sur les jeux... non. Ça m'est arrivé sur certains jeux quand j'avais la PS4. Là, c'était bien. Là, maintenant que je suis au Canada, je l'ai pas emmené avec moi. Mais avec l'arrivée de la PS5 et tout ça, ça reviendra. Ça reviendra très certainement. Bon. Merci les amis. Bon, bah c'est pas mal. On est à 5 émeraudes. Plus que 2. Je sais pas si on peut avoir les 2 dans ce niveau-là. Ça m'étonnerait, mais... Je crois que si... Je sais pas où il est l'autre. Ah, là c'est un petit peu dangereux d'aller par là. Mais je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Je vais plutôt passer par le haut. Je crois que j'ai une vision de où il est. Ah, attends, mais là il faut que je monte. Ah, on va faire autrement pour monter. Ah non, d'accord, ça marche pas. Comment on va faire? Yes. Il faudrait une protection en fait. Ce serait tellement plus pratique. Ouf. Il y a quoi? Ah, il n'y a pas une invincibilité là-haut? Non. Il me semble qu'il y a quelque chose. Mais je crois que l'invincibilité, je peux l'avoir, mais il faut que je saute. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, il faut que je saute sur l'autre.
Robotnik n'a aucune chance de te battre. Non, et je peux te dire encore moins dans quelques temps quand j'aurai toutes les émeraudes. Je crois qu'il est en bas. Hein. Putain. J'ai peur de faire le con. Attends, je crois qu'il est là, non? Putain, je sais plus où il est. Je crois qu'il est là, non? Il n'y en a pas un, là? Il me semblait qu'il y en avait un, pas loin. Ah, voilà! Il me semblait celui-là, là. Sixième. Oh, mais je sais où il y en a un dernier, il est tout à la fin. Oh, mais on va pouvoir avoir les 7 émeraudes alors, ça veut dire. Et là, oui, Robotnik aura aucune chance de me battre. Mais attendez, ce n'est pas encore fait. Loin de là. Je suis tellement concentré. Rings. Oh oui, j'ai bien intuité. Oh merde. Allez, tout ce que je ramasse en plus, c'est du bonus. Oh oui, je m'en souviens. Allez, 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 allez. 210 rings, my god. Oh. Ah oui, là, je me souviens, ça va être l'enchaînement de ça, là. Oh là là, oui. Comme je m'en souviens. Il faut sauter. On avait dit combien de rings, là? 210? Je crois que je l'ai, hein. Je crois que je les ai. Ouais, je les ai. C'est bon. Plus qu'un! Purée! Plus qu'une. Une petite pièce, s'il vous plaît. Voilà. Ah bon, là, on va pas tenter le diable. Échapper celle-là. Ok, donc là il y a ça. Ouais, là je l'aurai pas. La dernière émeraude elle est par là. Ha ha ha. Là c'est pas évident là. C'est chaud là. Je fais tout pour essayer de conserver mes. Mais là, je crois que c'est pareil. Il y a. Punaise. Oh. Ouf. Ok. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va remonter par ici. Ah là là. C'est pas vrai. Ah.
axe. J'ai pas un moyen plus simple de monter là. Ah! Attends, et si je fais ça? Ouais, mais... Ok. Donc là, maintenant, faut que j'arrive à la fin. Faut que j'arrive à la fin du niveau sans égratignure. Voilà, parfait. Et là, normalement, il y a le dernier. Non! Oh là 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 là. Le dernier, il est là. Oh, c'est parti! My God! Ah, je suis pas sûr d'y arriver du premier coup. Hein. J'ai les mains toutes moites. Sans ring. Mince. Oh non. Je les aurais pas. Je les aurais pas. Je les ai pas. Mais putain, mais quel con. Mais quel débile mental. Ah, c'est pas vrai. Bon, bah c'est pas grave, j'aurai d'autres chances dans des prochains niveaux. Ah, je m'en veux, là. Ah, je m'en veux. En plus, je suis sûr qu'il y en avait un autre ici, en haut, là. Et ouais, et maintenant, il est pris parce que j'ai pris l'autre. Ah là 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 là. Ah là, je m'en veux. Ah, je m'en veux vraiment énormément. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Là, je l'aurais bien tué en supersonic, lui, mais... Ah, mercredi! Mais oui. Bien sûr. Allez, zou. Ah, je suis déçu, là. D'habitude, j'arrive toujours à avoir les 7, là. Purée. Oh, la musique. Je suis obligé de me taire. Et voilà, purée. Le pire, c'est que là, je sais pas où sont les émeraudes. Parce que je suis tellement pas habitué de les faire d'ici. C'est dingue. Mais... Pourquoi il a fait la moule? Mais non! Mais... Oh là là, c'est pas vrai! Je fais n'importe! Mais là, je suis à la fin du niveau déjà.
Eh ouais. Ah bah dis donc. Du coup, toujours sur quel ordinateur, le tien ou celui du travail? Bah, comme ça avait bien marché après avec le mien, je suis resté sur le mien. Et puis là, si ça a l'air de tout bien se passer, alors je suis encore sur le mien, quoi. Ah, ça me stresse de pas avoir toutes les émeraudes, là. Je vous jure, je suis vert, là. Là, ça me la fout mal. Ça me la fout très, très mal. Ah, une protection. Ça, c'est bien. Et maintenant, faut trouver une émeraude, quoi. Putain, dire qu'ici, normalement, je suis en supersonique, quoi. Putain. Ah, je suis énervé, là. Je suis désolé, mais... Là, c'est pas passé, là. Là, c'est en travers de la gorge, là. Plus, on trouve aucun checkpoint. C'est un truc de fou. Pas un, quoi. Pas un. Est-ce qu'il y en aurait un ici? La checkpoint, pourtant, il y en a pourtant régulièrement. Derrière là, non? Sérieux, là on va en trouver aucun. Attends, je suis revenu au début? What? C'est la première fois que ça m'arrive, ça tient. Ah, il y en a un là. Ah, c'est peut-être le moment de vérité. On se concentre, Kishli. Allez, c'est bon. Tu tournes en rond, mon petit snifou. Ouais. Tiens, salut, oncle Buck. Comment ça va? Plaisir de te voir ici, tiens. Là, tu es à un moment de vérité. Vu qu'on est à attraper la dernière émeraude de Sonic 2 pour pouvoir après se transformer en Super Sonic. Et... Je suis pas à l'aise. Parce que là, il est vraiment compliqué celui-là. 190 rings, je les ai déjà. Là, ça va être le bordel. Maintenant, le but, ça va être de pas les perdre. Oh punaise, je les ai frôlés là. Oh! Voilà, j'avais dit, le but, c'est de pas les perdre. Oh, j'ai sauté au hasard. Je m'en souvenais plus. Je crois que je vais devoir ressauter bientôt. Voilà, là. Oh, non! Oh, c'est trop horrible. Oh oui, c'est fini! Encore un peu malade, méchant tout, mais ça va. Et toi, ça va? Oh, ouais, j'espère que tu vas bien te rétablir. Mais ouais, là ça va mieux. Regarde. Now Sonic can change into Super Sonic. Yeah! Ah, là c'est mieux. Là on va s'amuser. Mais bon, pour ça, il faut que j'ai 50 pièces avant.
Tant que j'ai pas 50 pièces, on pourra pas s'amuser. Merci Od. Ah, bon, je sais pas si on aura 50 pièces dans ce niveau-là. Hein. En tout cas, dans les prochains, ça sera le cas. Là, le but, ça va être de pas se noyer. Pas comme ce qui nous est arrivé dans Sonic 1. Et bon. J'ai jamais joué à Sonic 2. Eh ben, regarde, c'est ta première. Là, on est qu'au deuxième niveau. J'ai déjà toutes les émeraudes. T'as juste loupé Green Hill, en fait. Ah, non. Et donc là, normalement, dès que j'ai 50 pièces, je peux me transformer en Super Sonic. Mais là, j'aurai pas 50 pièces avant la fin. Allez, c'est parti pour le monstre. Merci, les Dark Killer. Normalement, ce monstre-là, je le bats toujours en étant Super Sonic. Mais bon. Ouh. Et là, on va passer au troisième niveau. Mais là, je peux vous dire que normalement, on devrait les enchaîner maintenant qu'on peut se transformer. Ça va être sympatoche. Tu dis que t'as jamais joué à Sonic 2. Ça veut dire que t'as joué auquel? Parce que moi, la dernière fois, donc la semaine dernière, j'ai fait le 1. Là, je fais le 2. Puis après, j'aimerais bien trouver une ROM avec Sonic 3 et Knuckles en même temps. Oh, ce serait trop trop bien. Ah, ce niveau, il est tellement mythique. Hey. Je passe par en haut ou par en bas? On s'approche. On s'approche. On s'approche. Oh là là, lui. Là, j'en étais sûr. Ah! Je me souviens de ça. Ah, une protection. Oh oui. Non. Oh non, c'est pas vrai. Ah oui. Attention. Super Sonic en action. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bah, aller plus vite. Par contre, on n'est pas invincible. Qu'est-ce qu'on a de plus? Bah, c'est la rapidité, la musique, l'invincibilité. Mais, ce qu'on... Là où on peut toujours mourir, c'est noyer, écraser et tomber dans un trou. Ça, ça arrive. Surtout quand tu vas trop trop vite, tu peux te retrouver écrasé. J'ai joué à Sonic 3 et Knuckles quand j'étais petit et une fois sur un jeu sur arcade avec Ray, l'écureuil et Mighty le tatou. Ah ouais! Oui, oui, bah alors c'était soit Sonic Fighter, soit un jeu vraiment dédié à eux, parce que je sais qu'il y avait un jeu dédié à eux. Et Sonic 3 et Knuckles, tu l'avais fini? Est-ce que quand t'as joué à Sonic 3 et Knuckles, c'était sur Mega Drive avec les deux cartouches imbriquées? Parce que tu sais, normalement t'as Sonic 3, t'as Sonic et Knuckles, mais tu peux aussi les imbriquer pour avoir Sonic 3 et Knuckles. Et moi j'aimerais bien trouver une ROM qui possède les deux, parce que du coup t'as les deux jeux en un, et tu peux choper deux fois les 7 émeraudes. En fait, tu les chopes une première fois, ensuite après leur super forme, et du coup, Super Sonic peut devenir Hyper Sonic. Et là, c'est trop bien. Puis après, t'as une fin supplémentaire en plus quand tu joues à Sonic 3 et Knuckles, qui est mais dantesque. Et je sais pas si tu l'as fait ça. C'est fini, Robotnik, tu ne vas pas gagner. Ah bah non, mais là, c'est clair que maintenant, c'est mort là. Là maintenant, c'en est fini de lui. Mais c'est vrai que j'ai très bons souvenirs aussi avec Sonic 3, putain. J'ai hâte de le refaire aussi. Oh non, mais c'est pas vrai. En plus, je les voyais venir, ces cons-là. J'ai fini Sonic 3 et Knuckles des années plus tard sur l'émulateur. Ouais, mais quand tu dis ça, c'est Sonic 3 et Knuckles, vraiment, vraiment, avec les deux cartouches imbriquées? Ou alors,
C'est juste Sonic et Knuckles, parce qu'il faut pas confondre. T'as Sonic 3, Sonic et Knuckles, et Sonic 3 et Knuckles. C'est totalement différent. Enfin, c'est totalement différent. C'est la même... C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est la même chose en soi, mais c'est pas le même jeu. Ou du moins, il est différent. Ah, parfait ça. Par contre, je risque de crever. Une petite bulle. Merci. Sonic et Knuckles, je viens de vérifier. D'accord. D'accord. Donc ce n'est pas Sonic 3. Sonic et Knuckles, ça veut dire qu'en gros, quand tu as commencé, tu étais dans le royaume champignon. Tu étais dans Mushroom Hill. Et non pas sur Angel Island. Et putain, mais ce piège à con! C'est pas vrai, maintenant je peux... J'allais dire, je peux me connecter en Super Sonic. Je peux me transformer en Super Sonic. Et je perds toutes mes pièces, oh là là. Voilà, je connais un petit passage pour avoir une vie. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Mais on va devoir se farcir le boss sans être en supersonique, ça c'est chiant. Quoique, si je reviens, est-ce que vous pensez que j'ai une chance d'avoir 50 pièces? Ah ouais, là j'aurais pu, dis donc. Bon, on revient un peu en arrière, mais c'est pas grave, on a du temps. Hein. Moi, de toute façon, je m'éclate. Vous voyez, c'est marrant parce que Sonic 1, pour moi, c'est pas que je le subis, mais presque quand même. Je suis vraiment pas habitué à Sonic 1. Alors que... Sonic 2... Je le préfère, mais largement. Ça a rien à voir. Des télés par là. Je crois qu'on va vers la fin là, non? Et si j'allais en bas, c'était quoi? Putain. Oh, une télé. Putain, il me manque plus que 10 pièces. Vous allez voir que je vais me faire toucher avant la fin de toute façon. Ah! C'est pas vrai. Comment on fait pour les avoir, ces télés là? Ah, mais là j'aurais jamais. Non! Putain! Ah, c'est pas vrai! Ah, je suis dégoûté! Mais mon Sonic préféré, c'est Sonic Mania, parce que j'ai retrouvé My Tilt Tattoo, qui est mon perso préféré. Ah ouais, bah tu vois, c'est rare d'avoir quelqu'un dont Mighty est le perso préféré. C'est super rare. Bon bah c'est pas grave, on va se le faire à la loyale. On n'a pas le choix. Bon, normalement, on commence en bas, mais... Moi, je monte directement dessus, hein. Voilà, voilà. Ah ouais, donc My Tilt Tattoo, ton préféré. Ouais, ouais. C'est le cas quand même de certains gros fans durs de Sonic, hein, qui sont nostalgiques de ce perso-là, qui n'a pas été exploité vraiment dans le canon de la série. Serais-tu un fan invétéré de la série sans que je le sache? Ça m'étonnerait, je pense. Oh, le casino, oui! Alors là, on va jouer. Ah, là, on va s'amuser. Ah ouais, on va s'amuser. Là, ça va être drôle. Voilà, là, on va s'amuser. Alors, on va y rester. Hein. Tant qu'on n'a pas un jackpot, on reste. Je plaisante qu'à peine. Ah, mais attendez, ça... Non, si, c'est bon, je vais pouvoir le refaire plusieurs fois.
Bon, oh, jackpot, jackpot. Ah, oh, presque. Bon, allez, je crois que de toute façon... Oh! Mais je crois qu'on va pas avoir le choix. Voilà, on va pas pouvoir continuer. De toute façon, on s'en fout, parce qu'on est supersonique. Ah, bah voilà, écrasé. Voilà, vous avez vu la mort supersonique, c'est génial. En gros, c'est bien, depuis le début, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est génial. Ah, mais ce niveau, il me faisait rêver quand j'étais petit, vraiment. Vraiment, avec les lumières derrière que vous voyez là, ça vous paraît moche aujourd'hui. Hein. Ça doit vous paraître vraiment moche. Mais j'ai une petite anecdote avec ça. C'est que de la fenêtre de la chambre de ma chambre chez mes parents et de la fenêtre de la chambre de mes parents, on voyait la ville comme ça en bas. Ah, parfait ça. On voyait la ville en bas comme ça et elle était toute éclairée comme ça. Et à chaque fois, ça m'a toujours fait penser à ce niveau-là. Et j'avais l'impression de voir ce que vous voyez derrière là, tout éclairé. Et c'est... Pour moi, là, ce que vous voyez derrière, c'est plus qu'un simple décor moche. C'est pas du tout moche, du tout, au contraire. Pas pour moi. Parce que y a de la nostalgie, parce qu'il y a tout derrière. Allez, supersonique. Cette fois, on va faire gaffe de pas se faire écrabouiller. Et on peut marcher sur les pics. Putain, là, c'est, j'ai failli, là. Bon, attendez. Elle est tranquille. Il a tellement la classe. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette classe qu'il a. Putain. Désolé, je suis juste amoureux. Je suis juste fan. C'est tout. Alors là, là aussi, c'est exaltant. C'est une boutade. Oh oui. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le jackpot là? Il y en a un ici, non? Ouais, non, c'en est pas un. Et vous voyez que mes rings descendent quand je suis en supersonique. Et dès que ça atteint 0, je me détransforme. C'est pour ça qu'il est important de conserver des rings. Oui, je vais refaire du jackpot. Et là, je vais tout perdre. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah, attendez, si, peut-être. Je peux peut-être y aller encore. C'est... Ah! Oui! Jackpot! Jackpot! Ring. Oh, c'est pas mal. Bon, ça sert à... Là, petite anecdote. Si j'avais pris l'invincibilité avant de me mettre en supersonique et qu'après je me serais mis en supersonique, j'aurais eu pendant tout le long de mon supersonicisme toujours des étoiles autour de moi d'invincibilité, et ça c'est ce qui fait penser à Hypersonic du coup qui a été repris ensuite. Allez hop, faites vos jeux. C'est exactement ça, je l'aime bien parce que c'est un aventurier pacifique qui n'hésite pas à utiliser ses capacités martiales pour protéger ce qu'il tient. Bah tu vois, tu le connais vraiment mieux que moi ce personnage, parce que tu vois, je savais pas vraiment en fait qu'il était qu'il avait des capacités comme ça martiales. Et du coup je suppose que tu as un peu cet esprit là de ton côté. Est-ce que tu fais des arts martiaux? Bien souvent, ça peut être le cas quand on apprécie un tel personnage. Sonic, Sonic, Sonic. Très bien. Bon. Eh ben, j'ai qu'une chose à dire. Super Sonic. Comme je m'éclate. Ah oui, je prends un plaisir mais monstrueux, moi là. Moi, je suis trop heureux. J'aimerais bien avoir un jackpot, mais je redoute le Robotnik en fait. On est joueur ou on n'est pas joueur? Bah, Sonic, allez. Ça suffira comme ça.
Ça c'est trop bien, tu sautes tellement haut, c'est un truc de fou. J'ai toujours peur de me faire écraser là. C'est tellement des endroits exigus. Allez, on fait nos jeux. Jackpot ? Ah non. Bon allez, j'ai envie d'aller battre le monstre en supersonique. Je crois qu'il est pas loin normalement. J'adore quand il s'accoude comme ça, c'est trop énorme. Allez, allez, allez ! Eh ben non. Allez, on va droit au monstre. C'est parti, viens là Robotnik, je ne te crains pas. Je ne te crains point. Je peux te faire du mal comme je veux. Je te rebondis dessus. Yes! Il a pas la classe quand même. Regardez-moi ça. Regardez ça. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Des transformations. J'ai fait du kung-fu pendant 5 ans. Tu vois, j'ai deviné. Mais j'ai toujours eu un faible pour les persos comme ça. D'accord. Ouais, parce que je pense qu'il y a la mentalité aussi. Moi j'en ai fait 2 ans du kung-fu. Oh ouais, ce niveau. Mais j'ai toujours navigué un peu entre plein de sports différents. La petite anecdote de ce niveau, c'est que les collines oranges qu'on voit derrière, on les voit beaucoup plus lointaines dans Green Hill au début. Et donc ça aussi, ça me faisait toujours rêver. Et puis ces espèces de collines oranges... Attends, faut que j'essaye un truc. Ces espèces de collines oranges là, avec ces nuages là. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est. Comment dire? Je sais pas pour vous, pour maintenant, si vous découvrez ça maintenant, comment vous le voyez, mais moi je trouve ça tellement beau. Sinon, côté série, j'ai beaucoup regardé la série Sonic et Sally. Oh ouais, mais moi aussi. D'ailleurs, je me souviendrai toujours, il y a un moment, il fait la course contre un mecha. Mes parents m'enregistraient les épisodes parce que j'allais à l'école. Et à un moment, il faisait la course contre un mecha et pour la première fois de sa vie, il se faisait distancer par un mecha. Et c'était une course, et le problème, c'est que c'était sur cassette à l'époque. Et à l'époque, la cassette n'avait pas assez de place. Et ça a coupé pile avant la fin de la course et je n'ai jamais su... s'il a gagné cette course ou pas. Jamais. Alors si tu vois ce que je veux dire, tu réanimerais un souvenir d'enfance et tu mettrais une conclusion. Vraiment. C'est un moment, ils sont dans une espèce de grosse contrée, on dirait la course de potes de Star Wars, mais ils sont sur une lignée comme ça. À un moment, ils sont en train de foncer, et puis moi, ça avait coupé ici, j'ai jamais su la suite. Si tu sais la suite, ou si tu sais me retrouver l'épisode, ou quoi que ce soit, mais alors... Putain, là, tu te rends pas compte ce que tu m'apporterais, là. Tu apporterais une réponse 20 ans, plus de 20 ans après. Tu roules tellement sur Robotnik, ouais. Et puis, c'est le cas de le dire avec Sonic. Tiens, j'aimerais bien pouvoir me transformer, là, en étant... Attendez, on va essayer. Oh ouais, en plus, je suis pas loin. Ouais, regardez. Hyper Sonic, presque. Voilà. Alors là, je suis invincible de chez invincible, là. Là, il n'y a pas mieux, quoi. Bon, je peux toujours me faire écraser, mais... Quand t'es en Super Sonic, ce niveau-là, il est plutôt tranquille, parce que tu peux vraiment le faire comme tu veux. Ouais, là, par exemple, hop, je suis monté sur les pics. D'accord, alors ça, par contre, je m'en souvenais pas. Ok, bon. Par contre, on peut pas avoir la protection en même temps. Là, je sais que je peux tomber comme je veux, voilà, dans la lave et tout, je fais ce que je veux. Ici, je peux aller là directement... Faut juste que je fasse gaffe de pas me faire écrabouiller. Là, je sais qu'il y a un petit passage ici. Allez, hop. Là, oui, il y a le truc qui monte. Faut pas que j'aille trop vite non plus, sinon je sais que je peux me faire écraser. Voilà.
Ah, attends, non, on va pas aller là. Ah merde, je suis obligé maintenant. Non, bien sûr que non, je suis pas obligé. Allez! Et là, petit bug. Attends, j'espère que ça va pas bugger, hein. Oh non. Oh non. Oh non, mais je voulais pas le faire bugger comme ça. Mais non, mais c'était une blague. En plus, il n'y a plus le temps qui passe. Je peux plus rien faire. Oh non. Oh non. Je voulais le faire parce que ça, je l'ai fait plein de fois sur Mega Drive. Oh, cette malchance de l'enregistrement qui se coupe comme ça, la frustration. Mais non, désolé, je ne peux pas te renseigner sur la course. Oh non. J'aurais dû faire des sauvegardes. Oh non. Je dois tout recommencer. Mais non. Oh, c'est pas vrai. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'aurais dû sauvegarder. J'aurais dû sauvegarder. Oh, c'est pas vrai. Bon, on va se dépêcher. On va se dépêcher. Oh my god, je suis dégoûté. Le pire, c'est que je savais que ça m'était déjà arrivé, mais je crois que sur Mega Drive, il y avait un moyen d'y remédier ou... Ah, c'est pas vrai, je suis dégoûté. Non. Mon pauvre rêve, là je suis un peu dépité, mais j'ai mis du temps à tout faire parce que je me souvenais plus de rien, mais c'est bon maintenant, je m'en souviens et je peux vous dire. On va rouler sur le jeu, allez, c'est parti. Enfin, du moins, c'est reparti. De toute façon, on est en confinement, qu'est-ce qu'on s'en fout, on a le temps. Vraiment pas de bol, désolé pour toi. C'est pas grave. On va s'en remettre. Hein, les gars? On va revenir là où on était tout à l'heure. En un rien de temps. Retour à la case départ. Eh ouais, mais t'en fais pas. C'est pour mieux repartir. Faut vraiment que je l'aime ce jeu pour pouvoir, pour vouloir le refaire là. Mais ça va encore, on n'était pas trop loin non plus. Bon, c'est juste le plus chiant en fait, c'est les émeraudes à refaire quoi. Mais je les aime bien. Allez, Kishni, merci Vador. Ça me motive. Et merci Odd pour la petite pub. ça fait toujours plaisir. Alors, si on se souvient bien. Oh non, c'est pas grave, tout va bien. Je vais juste aller récupérer la... Hop là! La protection... Mais c'est pas possible. Juste aller récupérer la protection. Non! Ouf.
sens beaucoup plus safe quand même avec elle. Non, non. Et voilà, j'en étais sûr. Je savais que je devais pas prendre le trampoline. Ah oui, mais attends, c'est vrai que j'ai ça aussi. J'ai celle-ci là, comme invincibilité. Hop là. Ouais, il est là. Courage, Kishni. Merci, oncle Buck. Bah, tu vois, regarde. T'es arrivé, t'avais pas vu le début. Et bah, ça te permet de voir le début et de voir toutes les émeraudes. Sachant que les premières sont plutôt simples. Tu vas voir, il va suffire que je dise ça pour ne pas y arriver. Là, ça va quand même. Si je réussis pas la deuxième, c'est vraiment... Allez, 100 pièces. Perfecto. 140. Bon, on est à 13. Je pense que ça va le faire. Bien sûr que ça le fait. Et voilà. Deuxième dans la poche. Le flux, il en est où? Il est comment là? Faites voir. Oh, il est vert. Putain, le flux est vert. Putain, c'est dingue ça, c'est bien. Oh oui, c'est vrai ça. Ah! Troisième. On y va. Cinquante rings. On les a. Ouais, ça va, on fait juste un peu de corde à sauter. Olé. C'est bon. 160 rings. Allez, 28. Yes! Toi, tu joues à Sonic, moi à Assassin's Creed. Ah, bien, tu joues en même temps!
Ouais, j'aime bien faire ça à des moments. Quand je joue à un jeu assez tranquille comme Assassin's Creed, tu sais, où tu dois faire des... Après, je joue pas énormément. J'ai juste joué une fois à Assassin's Creed, mais je sais que t'as beaucoup de quêtes annexes. Mais je sais que dans des jeux où je dois farmer, où je dois faire des quêtes annexes et tout, j'aime bien me lancer un stream ou un truc comme ça à côté. Bah écoute, bon jeu. C'est lequel Assassin's Creed d'ailleurs? Moi, le seul auquel j'ai joué, c'est Unity, mais c'est pas trop mon type de jeu, donc j'ai fini par le revendre en fait au final. D'ailleurs, les autres, vous faites quoi aussi en même temps? Vous me regardez? Vous mangez? Vous courez sur un tapis de course? Vous dessinez? Vous lisez? On s'occupe un peu tout comme on peut, quoi. Là, j'en profite du confinement pour faire les DLC de Origin et Odyssey. Ah, ouais, d'accord. Bah oui, de toute façon... D'ailleurs, comment vous le vivez, vous, de votre côté? Est-ce que pour ceux qui sont en cours, pour ceux qui bossent, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes de chez vous? Au niveau des cours, comment ils font pour vous les donner en fait à distance? Unity, c'est pas un très bon Assassin's Creed. Ouais, mais en fait, à l'époque, je l'avais pris pour l'histoire. J'étais très intéressé par l'histoire, tout ça, mais la Révolution française, tout ça. Mais ouais, j'ai pas été vraiment plus loin parce que je suis pas un gamer de qui apprécie vraiment les quêtes annexes, tout ça, ça me saoule vite. Et donc, bah, du coup, j'ai lâché l'affaire, quoi. Parce que, en plus, c'est pas que je me force à le faire, mais je sais pas, mais quand il y a des quêtes annexes, je me dis toujours, je me dois de les faire, quoi. Sur Internet, pour les cours. Ah ouais, d'accord, sur Internet. Et comment ils s'organisent, en fait? Ils vous donnent... En fait, vous avez votre professeur à distance qui vous parle par Skype? Ou alors vous avez des cours qui vous sont donnés régulièrement sur des supports numériques et puis vous devez simplement les lire et puis après vous avez des exercices, vous avez des devoirs, vous avez des examens. Attendez, je me concentre un petit peu. Wouhou. Surtout que lui, c'est pas le plus évident. Mais. On l'a vu tout à l'heure. Lui, franchement... Ça a été mon point faible pendant très longtemps, ce quatrième-là. J'arrivais jamais à le passer à l'époque. Notamment à cause de la phase qui va venir, là, où t'as les boules noires au milieu. Ça m'a toujours traumatisé parce que je ne savais jamais comment m'en sortir. Là, je savais pas passer de l'une à l'autre, en fait. Je trouvais ça impossible. Ok. Salut, ça parle de cours en ligne? Ah bah toi t'arrives au bon moment, dès que ça parle cours, ça y est, qui dit est là. Oui, on parle de... En fait, je demande comment ça se passe en fait. Pour vous les cours, parce que de ce que j'ai compris, vous avez des cours par internet, mais est-ce que vous avez des professeurs qui vous parlent par Skype? Est-ce qu'ils vous donnent des indications uniquement par écrit? Est-ce qu'ils vous donnent des supports, comme des PDF et tout ça que vous devez lire, et puis vous êtes évalué régulièrement, ou vous avez des exos à faire, des devoirs, des trucs comme ça? Ah, je l'ai fait, les quêtes annexes aussi. Sur Origin, les quêtes annexes sont 1000 fois plus intéressantes que la quête principale. Ah ouais, ah bah putain, bah ça c'est rare, hein, parce que moi je crie toujours sur les quêtes annexes parce que je trouve ça chiant au possible. Et à chaque fois, ça me déprime. Parce que, en fait, psychologiquement, je sais pas, j'ai l'impression que je me dois de les faire. Et le problème, c'est qu'elles sont pas intéressantes. Ah bon, après, si tu me dis qu'elles sont plus intéressantes, tant mieux. Alors, c'est le bordel. Ok, ça m'en dit beaucoup. Merci, Kill. Bon, on en est à 4 déjà. Eh, alors qu'on a recommencé quand même. Hein.
Et peut-être que cette fois, on va pouvoir avoir les 7 directement dans ce niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, c'est vrai. Oh quoi? Oh non, l'arnaque! L'arnaque! Bon, l'avantage, c'est que j'ai vu où c'était. Il n'y a que ma prof de maths qui nous fait des cours oraux. Ah, sur Collaborate. Ah ouais, avec des gens de ma classe qui trollent. On est à mi-parcours. Ah ouais. Attends, quand tu dis mi-parcours, mi-parcours de l'année ou mi-parcours du confinement? Parce que ils disent que ça va durer 15 jours, mais ça va durer beaucoup plus que 15 jours. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Là, on est qu'au début. Hein. Je veux pas te décourager, mais... Sur Origin, la quête principale est pas intéressante. Mais ça, c'est débile. Malgré un contexte historique super, l'ascension au pouvoir de Cléopâtre, ah ouais, jusqu'à l'assassinat de César. Ah ouais, dis donc, ouais. Le pitch comme ça de base, il est bien. Nom du jeu, mi-parcours du jeu. Ah, bah sachant qu'on l'a recommencé, là on n'est plus vraiment à mi-parcours, mais sachant que là j'ai 4 émeraudes, il m'en manque plus que... Putain, là il manque... 2 rings. Là, il reste 3 rings, mais 3 émeraudes, mais... Oh, putain. Là, il me manque 2 rings, quoi. Elles sont là. Là. J'ai peur du singe. C'est bon. Il va y avoir un ennemi. Non, oui, non, oui. Pas d'ennemi. Pas d'ennemi. Ok. Dépêche-toi, dépêche-toi. Yes. C'est vrai que c'est chiant de recommencer depuis le début. Bah oui, mais j'ai fait le con. Mais bon, regarde, on avance bien. On est déjà au 5e. 5e émeraude. Et puis après, on va rouler sur le jeu. Sinon, eh bien, on a des exos à faire. Ou des leçons à imprimer. Le truc, c'est qu'en fonction des profs, ils ne mettent pas les devoirs au même endroit. Ah, d'accord. Bah, c'est-à-dire, comment ça, au même endroit? C'est un peu pareil, du coup, en vrai. Les évals, on est censé ne pas en avoir. Ah bon? C'est sans compter sur ma prof d'histoire. Ouais, peut-être parce que les devoirs, c'est un peu compliqué, parce que du coup, tu peux te renseigner, tu peux prendre le temps que tu veux et tout. Ultime réfractaire. Ah bon, réfractaire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait de si réfractaire, ta prof d'histoire? Attends, là, par contre, faut que je me concentre. 5e émeraude, ça rigole plus. Il me manque. Oh non, je l'ai pas! My god! Mais oui, je me souviens que c'était chaud la dernière fois. Oh. On lui dit de ne pas nous donner de contrôle, elle s'en balance. Ah bon? Oh non! Mais j'ai encore une chance d'avoir les 7 émeraudes dans ce niveau-là. Parce que je me souviens tout à l'heure, on en avait loupé un. Tristesse pour toi, Kish, merci. Mais non, mais c'est vrai que la cinquième émeraude, au début, il faut avoir pratiquement toutes les pièces parce que il est impardonnable celui-là, le tout premier. Faut limite connaître par cœur où sont les pièces. Oh là là, du coup, ça me stresse maintenant. Mmh.
Là, normalement, il y en a un qui est pas loin. Ouais, c'est ça en fait, il est là. Allez! Attends, mais il est où déjà? Non, putain! C'est pas vrai. Mais il pouvait pas voir! Il pouvait pas le voir! Comment il a su? Oh d'accord. Bon bah écoute. J'ai envie de dire même tant mieux. Comme ça au moins ça fait repop les pièces et puis voilà. Allez hop, tant mieux. Oh ah là là, mais... Je te jure, je me suis dit, je vais aller tellement vite, il va pas pouvoir lancer une coconut. Eh ben si! Je vais goûter, à tout de suite. Ah oui, goûter. Oh putain. Oui, parce que ici il est... Ouais, ici il est 11h20. Ouais, plus du coup, suicide, la meilleure solution. Mais ouais, mais clairement. Mais clairement, meilleure solution. Et attends, mais je suis en train de me dire qu'il vaudrait peut-être mieux que je passe par le bas. Pas si c'était une bonne idée, mais... Si, c'était une bonne idée. Allez, hop. Allez, on s'en saisit. Putain, là c'est trop chaud au début. Mais je me souviens plus de où elles sont, les pièces. Oh, faut tellement que je retienne comme un malade. Là, chaque pièce compte. C'est un truc de fou. Ah, ça y est, je les ai déjà... Ah oui, c'est ça, c'est bon. Oh, t'as deux pièces près, comme tout à l'heure. Oh, mais... C'est n'importe quoi. Après, ça va mieux. Je maîtrise. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de pas se faire avoir par les bouboules. C'était combien, 100? Ou c'était 90? Là, 160. Heureusement que je sais à peu près où elles sont. Oh merde, il y en avait là-haut. Oh. Et c'est bon. Oh, on l'a eu. Mais je sais que... Pour atteindre l'autre checkpoint, c'est super compliqué. Je me souviens plus comment on fait. En fait, je crois que j'ai un petit souvenir de comment on fait, mais c'est vague. Et le problème, c'est que c'est ultra risqué en plus. Parce qu'il y a des ennemis, des pics et tout ça, enfin c'est... Ouais, ça va pas être easy. Je crois que la solution ce serait d'aller chercher l'invincibilité. L'invincibilité qui est pas très loin. En fait, c'est ça. En fait, là, il y a une invincibilité, mais pour atteindre l'autre checkpoint, il faut faire ça. Ah non.
Je sais vraiment plus comment on l'atteint. Ouais, non, mais c'est trop chaud. C'est pas grave. C'est pas grave, j'aurai le dernier... Quoique, attends. Ouais, non, il est là. Donc c'est... Ici, c'est trop chaud pour l'avoir. Parce que là... Je crois que j'avais déjà réussi à l'atteindre un jour, mais... C'est pas évident. Quoique, c'est pas comme ça, là. Non, non. Non, je sais plus comment on l'atteint. Bon, c'est pas grave, allez hop. Dans Origine, parmi tous les personnages que tu croises, il y en a qu'un seul que j'ai plutôt apprécié. Ah ouais? C'est quoi sa caractéristique? Il fait des arts martiaux aussi? Non, je plaisante. Ouais, attends, faut que je me concentre là. J'ai ce qu'il faut. Ah non, j'ai pas ce qu'il faut encore. C'est tellement chaud. Mm. 140 rings. Ah, elles étaient de l'autre côté. Je fais de la merde là. Oh oui, 140, tout pile. Oh non. Ouf. 210, oh my god. Deux cent dix, deux cent quinze. Yes. Oh oui. Oh, je sue des mains. C'est la femme du personnage principal et c'est une Medjay, une sorte de défenseur du peuple au service de Pharaon. D'accord. Sorte de défenseur du peuple, d'accord. Ah bah je suppose qu'elle doit avoir une bonne mentalité, ouais. Oh, oh mince, j'ai pas pris de ring. Oh, je vais crever. Oh, je vais crever. Enfin, normalement, il est pas compliqué. On peut l'avoir sans ring, mais bon. Il suffit que je fasse une erreur et ça y est, quoi. Allez, c'est bon. Est-ce que le flux va toujours bien? Perfect. Bon, tout à l'heure, on n'a pas trouvé un seul... checkpoint, donc là je suis désolé, on va en chercher un. Je crois qu'on trouvera pas de checkpoint. Hein. Vraiment. Parce que je crois quoi, on était déjà passé par là tout à l'heure. Mais oui, c'est un truc de dingue. Tiri, tiri, tiri.
Non, on va essayer d'aller justement de l'autre côté. Ah mais d'accord, on peut pas. On pourrait pas aller de l'autre côté? Ah si, ça y est, j'ai réussi. Attends, attends, stop. Je veux aller de l'autre côté. Non. La dernière pierre d'infinité, c'est exactement ça. Moi j'aimerais bien aller là en bas. Ah, pourquoi? Ah, il veut pas aller en bas. Bon, d'accord. Ah, mais on trouvera pas de checkpoint dans celui-là, hein. C'est dingue. Les chants qui va me faire chier. Ouais, on trouvera pas de checkpoint ici. C'est complètement dingue. Complètement fou. Ouais, bon, c'est comme ça. On croirait qu'il fait beau dehors parce qu'il y a un gros soleil, mais en fait il fait moins 1 degré. Par contre, hier c'est un truc de fou. On a dépassé les... Enfin, on a atteint les 15 degrés. Je crois que ça faisait depuis... Je crois que ça faisait depuis novembre, voire octobre, qu'on n'avait pas dépassé les 15 degrés. Oui, ça doit vous paraître fou pour vous en France, mais... Ici, ouais, c'est ça. Et après, on zappe Robotnik avec le gant. Ouais, exactement. On va faire un petit clap de fin. Quand même. Protection. J'essayais de pas faire con comme tout à l'heure, j'essayais de pas la perdre tout de suite. Ce serait dommage. Non mais nous là. Je crois qu'il y a quelque chose par là. Je sais plus quoi. Ah si, c'est ça. Allez, 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 allez. Cette fois on se rate pas, hein. Cette fois on se rate pas, Kishni. Comme je stresse. Allez, allez, allez. 150 rings. Allez. On nique tout là. 200 syringes et là il m'en faut 200. Ah non, 190 même. Bon là je pense qu'on peut rouler sur le jeu mais c'est pas encore dit. Parce que là... En fait on peut se faire avoir à tout moment. Voilà, comme par ici, ici par exemple. Ici aussi, putain j'ai bien sauté, oh là là. En même temps je récupère des pièces au cas où je me fasse toucher, on sait jamais. Allez hop. Allez hop. Je crois que c'est bon. 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 C'est bon. Oh, ce ciel arc-en-ciel. Débloque l'ultra-instinct.
Alors on a les pierres d'infinité avec le gant, on a l'ultra instinct et on a le supersonique. On a le super saiyan aussi si on veut. Mais ça y est, il est débloqué. Je vous le confirme. Ah, est-ce que je peux remonter par là? Bien sûr. Voilà, tout plein de pièces, c'est génial. Bon, on y va en supersonique là. C'est le moment de démarrer là, non? C'est parti. Bon, cette fois, on va plus faire le con à la fin du niveau, hein, parce que... Regardez, Sonic, il va... Oh, il va plus vite que l'écran, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, faut... Oh putain, j'ai failli faire le con. J'allais dire, faut pas que je fasse le con, j'ai failli faire quand même. Ah oui, j'adore quand il est au rebord d'un... Regardez l'animation, comme ça, c'est trop énorme. Ah oh, mais merde. Mais putain, je fais le con. Oh non. Heureusement que j'ai accéléré un peu, parce que... En gros, des petites phases de plateforme comme ça en supersonique, c'est ultra chaud. Parce qu'il est tellement rapide. Alors là, par contre, faut faire gaffe aussi de pas tomber, parce que... Faut y aller doucement. Allez! J'adore cette animation. C'est bon, il va faire un smap. Un smap? Le gant est complet, oui. Bon, très bien. Non, non, mais... Non, mais c'est pas possible. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais des fois... Je me souviens ici, j'ai... Non, je crois... Yes. 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 Je sais pas où ça mène là. Je... Oh bah d'accord. Génial. Quel est ton vœu? Mon vœu? Pourquoi? Mon vœu? Attends, c'est profond comme question là. Quel est mon vœu? Mon vœu dans la vie, mon vœu dans quoi? Oh. Parce que je peux te répondre quel est mon vœu, finir le jeu, que le coronavirus soit éradiqué, que je réussisse ma vie, je sais pas, c'est, ça peut être n'importe quoi, alors... Faut savoir si c'est sérieux ou pas. Ahsoka is back. Hey, Antonin Bertin. Attends, excuse-moi. Anthony Bertin. Ouais, c'est ce que j'ai vu apparemment. Ouais, Ahsoka serait back dans The Mandalorian, mais je crois que pour le moment, ça en est encore qu'à l'état de rumeur. Est-ce que tu me confirmes? Allez, une petite bubule, s'il vous plaît. Merci. Oh là 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 là. Oh là là. Une bibule. Une bibule. Merci. Oh putain, il m'a fait peur. Non!
Il me restait une pièce pour pouvoir me transformer. Putain, c'est pas vrai, mais... Sonic, c'est tellement cruel. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir, mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Et allez! Mais bien sûr, on va aller au boss sans pièces. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Non mais, on va trouver une pièce, voilà. Allez. Rumeur, mais vu toutes les sources fiables qu'il y a eu, ça doit être véridique. Ah, c'est vrai. À ce qui paraît, elle sera peut-être dans la saison 2. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'ai entendu, ouais, c'est saison 2. Et ce serait pas déconnant, étant donné que tu as l'autre Gideon, là, qui a le sabre noir. Et du coup, en fait, elle pourrait se combattre contre lui. Ça ferait sens. Le gant ne peut réaliser que des vœux réalistes. Désolé. Ah. Bah, on va dire que... Je pense que guérir du corona... Enfin... Plutôt éradiquer la pandémie, c'est encore réaliste. Alors... Mais écoute, en l'état actuel, je crois que... C'est peut-être... mon vœu le plus cher pour le moment. Avant de penser à moi, avant de penser au reste... Parce que si on peut pas sortir, si on peut plus rien faire, à quoi bon de vivre si c'est pour rien faire? Donc autant que ça se soit réglé avant tout. Je veux mes pièces, non! L'épisode 5 de Clone Wars est pour l'instant le meilleur de la saison 7. Ah oui, je l'ai pas regardé! J'ai regardé le quatrième la semaine dernière, j'ai regardé le 3 et 4 en même temps, enfin l'un après l'autre. Ah bah Robotnik, allez hop. Bon voilà, maintenant on l'a eu. Maintenant ce serait bien qu'on ait un petit jackpot, non? Oui, oui, le Corona pour jouer à Sonic, c'est ça que tu veux dire, Kill? Évidemment, c'est bien. Mais je ferai pas ça toute ma vie non plus, tu vois. Encore Robotnik ! Ah, un petit jackpot. Ça annule. Mais non, c'est nul ça, les barres. Je veux pas les barres. On pourrait pas avoir un petit jackpot quand même ? Ça ferait du bien. Bon. Ring. Bon, bah, on va y aller comme ça, hein. Ou pas? On va essayer une petite dernière? Oh, j'aurais pas dû. Oula. Bon. On joue encore une dernière fois avec le feu, puis après on y va. Bon, très bien. Mais non, mais stop, stop, j'ai dit. Stop. Très beau vœu, souhaitons que ton vœu se réalise. Merci, Vador, et j'espère aussi. J'ai failli me faire écrabouiller. Oh là là. Attendez, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Est-ce qu'on sait... On n'est jamais à l'abri d'un... Voilà. Juste comment je fais une save... voilà, save state. Voilà. J'ai fait une sauvegarde, comme ça. Si jamais on a un bug ou quoi que ce soit, on n'aura pas tout à recommencer. Je pense que c'est plutôt judicieux. Yes.
Franchement, les thèmes aussi de ce jeu, quand même, c'est un truc de fou. Allez, je vais me faire un petit là. Voilà. Oh, bah non. T'as un taste, t'as tout cassé. Oui, évitons les fails, ouais, ça c'est clair. Non mais c'est bon, maintenant on n'aura plus à recommencer maintenant que j'ai sauvegardé, on est sauvé. Allez. Cling. Ah. Ça c'est fait. Bon, on est presque là où on s'était... Enfin, là où on a eu le bug tout à l'heure. Attends, j'aimerais bien aller là-haut, là. Voilà, c'est pas mal, ça, non? Yeah! Bon, c'est parti! Mais j'ai envie de continuer à jouer. J'aimerais bien avoir un petit jackpot quand même. Ça ferait plaisir. Ah, ah bah non. Ah, ça c'est pas mal. Ah oui, ah oui. Oh là, wouh. Oh, c'est un mini jackpot. C'est bon, je prends. Je prends. Ça me suffit. Vas-tu faire tous les Sonic en live une fois par semaine? Bah franchement, pourquoi pas? Déjà, moi, ça me plairait. Puis si en plus, vous, ça vous botte, ce sera encore plus avec plaisir, du coup. Mais moi, c'est vraiment ce que je veux. J'aimerais beaucoup... Peut-être que je ferai le 3 demain. Hein. Vous serez dispo, vous, demain? Parce que moi, si bien vers la même heure, comme ça, de demain... Enfin, pour vous, c'est... Pour vous, c'est 5 heures de plus. Donc ouais, bon, dans l'après-midi, c'est possible que je remette ça, hein. Franchement, si ça vous dit, moi je suis chaud. Comme ça, on pourrait se faire Sonic 3. Et moi, mon but à terme, ce serait de faire Sonic 3D. Parce qu'il y en a trop peu qui le connaissent. Et Sonic 3D est vraiment énorme. Mais Sonic 3D Blast, qui était sorti sur, sur Mega Drive, il est vraiment énorme. Trop méconnu. Et je l'adore. Hello, je suis nouveau sur ta chaîne. Salut! Alors attends. Vu que t'es nouveau, je vais quand même honorer ton pseudo en le prononçant bien. Attends, mais quoi? Non, c'est pas vrai. Je suis nouveau sur ta chaîne. Quiche ni fou le vrai. Mais lol, arrête, tu es pas nouveau, tu me connais. Je sais juste pas qui tu es, mais en tout cas... c'est marrant. Mais j'aimerais bien savoir qui tu es, vraiment. Parce que je pense que tu me connais. C'est obligé. Pas de problème. Ok, bah franchement, si ça vous botte, demain dans l'après-midi, on remet ça. Hein. Je me remettrai en... Est-ce que, avant que démarre le live, est-ce que vous avez vu que je l'avais mis en première 10 minutes avant? Enfin, en première. Comme quoi, j'avais prévu un live et qu'il y avait un compte à rebours. Parce que si bien, je vais refaire ça demain. Parce que comme ça vous prévient à l'heure à laquelle je vais commencer. Mais c'est sympa, là, j'ai l'impression que vous êtes une petite poignée de personnes, là, c'est cool. Bah ouais. Non, c'est bien. Je suis content. J'ai cherché mon pseudo sur YouTube et je suis tombé sur toi. Mais t'es sérieux? Je te crois pas. Oui, j'ai reçu. Oh, mais oui, je l'ai fait Sonic 3D aussi quand j'étais gosse et j'avais fini. Chez un pote qui l'avait... Tu l'avais fini? Félicitations, parce que... Bon, je pense qu'on n'aura pas de mal à le finir, mais... Le finir, quand tu le connais pas bien et tout... chapeau, hein. Donc, si tu l'as fini, franchement, bravo. Parce qu'il est pas évident.
Mais la grosse question, c'est l'as-tu fini avec toutes les émeraudes? Ah ah ah! Ça, c'est la grosse question, ça. Oh yeah! Bon, vous allez bientôt enfin voir la suite, parce que à cause du bug de la dernière fois là. Oh! Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, le bug! Oh, je m'attendais pas à celui-là. Allez, tout de suite, quand on n'est plus en Super Sonic, là, c'est une autre histoire, là. Le seul Sonic que j'ai pas réussi, c'est Sonic Spinball. Tellement il est chiant. Mais oui, carrément, moi, c'est pareil. Et pourtant, à un moment, j'y ai mis de l'énergie pour le finir, mais j'ai jamais réussi. Oui, on faisait chacun son tour, mais on a arrêté dès que l'on avait une fin. Ah, mais non, mais... Enfin, même si t'as pas toutes les émeraudes, c'est quand même la même fin. Il n'y a pas vraiment d'autres fins supplémentaires. Mais quand t'as toutes les émeraudes, il y a une petite animation à un moment qui est sympa. Je crois pas qu'elle y soit quand t'as pas toutes les émeraudes. Coup dur, confrère. Ah oui, confrère. Qui chenifoue le vrai. Mais non, mais alors là, tu me fais délire, là. Je sais pas qui tu es, mais... Alors, si t'es vraiment un inconnu comme ça qui est tombé dessus, il s'est dit, tiens, je vais... Mais j'y crois tellement pas, c'est tellement impossible. Tu peux pas. Tu peux pas comme ça. Déjà, qui aujourd'hui n'a pas de compte YouTube ou truc comme ça? Donc ça veut dire que tu me connaissais avant, tu l'as forcément créé parce que tu me connaissais, et je suis sûr que c'est pour me troller, mais c'est... Je sais pas qui tu es, mais alors ça me fait rire. Allez, oh, cette fois on fait pas le con, hein. Allez, on va enfin arriver à la suite. Mais non, on pourra Vox si tu veux. Oh, d'accord. Mais je t'ai dit juste que ça me paraît bizarre. Écoute, je vais bien te croire. Attends, Sonic 3D, c'est celui avec Metal Sonic et que l'on peut voyager dans le temps? Ah non, pas du tout. Du tout. Là, tu me parles de Sonic CD. Et Sonic CD n'est pas en 3D. Il est comme cela. Non, moi, je te parle d'un vrai Sonic 3D. Un vrai. Un vrai qui était sorti sur Mega Drive. Et que, semble-t-il, tu ne connais pas. Parce que, comme j'ai dit, le Sonic 3D dont je parle n'est pas connu du tout. Il est vraiment pas connu. Enfin, de ceux qui connaissent Sonic de manière générale, si. Mais je sais pas si tu le connais. Non, c'est CD. Ah voilà, Anthony Bertin, c'est un vrai aussi. Je crois que c'était toi aussi la dernière fois, non, qui avait sorti pas mal de choses vraies au sujet de Sonic, qui montrait que t'étais un vrai. Enfin, t'es pas un vrai, mais t'es un fan, quoi. Un fan ou quelqu'un qui s'y connaît bien. Le seul Sonic auquel j'ai joué, c'est Sonic Boom. Oh non, mais là tu me trolles, c'est pas possible. Sonic Boom, qu'est-ce que je l'aime pas. Bon, après, si c'est le seul que t'as joué, t'as dû le trouver pas mal, mais... Ça me brise le cœur de savoir que c'est le seul auquel tu es joué, tu vois, parce que... Pour connaître Sonic, c'est tellement... Oh, j'ai mal au cœur pour toi, vraiment. Tant pis, c'est pas grave. Sonic Flash 3D sur Mega Drive. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Enfin, Sonic Flash... Ouais, en fait, il a plusieurs noms, j'ai envie de dire. Il y en a qui l'appellent Sonic Blast, Sonic... Enfin, c'est pas Sonic Flash, hein, je crois. C'est vraiment Sonic Blast. Si tu veux vraiment sortir le bon nom.
Sonic Flash, ça m'étonnerait. C'est plutôt Sonic Blast. Live and Learn. Oh ouais, Live and Learn. Mais oui, non mais... Oui, oui, c'est, je me souviens, c'était bien toi. Bah voilà, je me disais, c'était bizarre. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'était... C'est sûr que c'est celui que tu dis, c'est Sonic CD. J'avais vu la série et elle était tellement bien que j'ai joué au jeu. Alors la série était pas mal. Mais tu parles de la série Sonic Boom ou Sonic... T'as comment ça s'appelle? Sonic... C'est quoi la série qui passait? Parce que t'as eu la série Sonic Boom, mais elle, il y a eu que quelques épisodes. Mais sinon, t'avais Sonic... Putain, je me souviens plus du nom. Sonic X. Voilà. Tu me parles de Sonic X ou de la série vraiment Sonic Boom? Parce que ça n'a rien à voir les deux. Et ça me paraît très bizarre. Après, la série animée de Sonic Boom était sympa. Oui, je te l'accorde. Mais t'as dû être déçu du jeu quand même. Parce que... c'est pas un vrai Sonic, quoi. La probabilité que vous ayez le même nom est une chance sur 7 milliards. Non, non, mais là, il a fait exprès, comme il a dit. Il est tombé sur ma chaîne et puis il a mis le nom exprès, mais ça me paraît juste tellement improbable, parce qu'en plus, je suis pas connu, quoi. Sega avait dit, il y a quelques années, que le nom définitif de Sonic 3D était Sonic 3D Blast, d'accord. Ouais, ouais, mais parce qu'il y a plusieurs versions, hein, qui sont sorties. Oh putain, cette musique aussi, mais... Il y a des reprises et tout au piano des fois de cette musique là, mais c'est tellement mythique. Sonic X est la meilleure. Ah bah franchement j'aimais pas au début, mais au final après je l'ai suivi. Et puis quand j'ai vu qu'elle reprenait des événements de Sonic Adventure 2 Battle, avec tous les événements, tu sais, avec Shadow, tout ça, le Biolizard et tout ça, enfin je crois, hein, je crois qu'il y avait Biolizard aussi. J'ai dit pouah, mais c'est trop bien. Je me suis dit là, mais magnifique. Sonic Boom connaît pas l'autre. Ah d'accord. Non, j'ai kiffé le jeu. D'accord. Ouais, si c'est le seul jeu auquel t'as joué, je peux comprendre que t'aies pu le kiffer. Hein. Mais quand tu connais Sonic depuis très longtemps, tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Parce que c'est pas du Sonic en fait, mais pas du tout. J'aimerais bien me monter là-haut. Voilà. Attends, je vais essayer de pas me faire écrabouiller, quoi. Ça serait sympa. Voilà. Alors, il y a une petite anecdote dans ce niveau. C'est plutôt dans l'acte 2. À un moment, tu as un précipice que si tu tombes, t'es obligé de mourir. Et si d'ailleurs tu tombes en Super Sonic, t'es obligé d'attendre de plus avoir de pièces pour mourir, parce qu'en fait tu tombes sur des pics. Et à la base, c'était censé être l'entrée d'un niveau qui n'ont pas eu le temps de faire pour Sonic 2, qui est Hidden Palace, donc le palace caché, quoi, et qui aurait dû être inclus et qu'on aurait dû jouer en fait, mais ils ont pas pu le faire. Oui, ils ont repris l'arc Chaos et l'arc Shadow, mais oui, c'était tellement... Mais toi, t'as l'air de t'y connaître, Anthony Bertin. T'es un fan ou t'es juste quelqu'un qui suit de très près tout ce qui se passe sur les Sonic? Parce que c'est un plaisir, du coup, tu vois, d'avoir un confrère, tu vois, qui s'y connaît. C'est un peu des paroles de boomer. Non, mais t'as raison. Écoute, c'est quoi, j'avoue. J'avoue, c'est des paroles de boomer. Tu peux même me dire un petit « Ok, boomer, je t'en voudrais pas ». Pourquoi il est jaune Sonic? Parce que j'ai eu les 7 émeraudes. Et une fois que t'as les 7 émeraudes, et quand tu cumules 50 pièces, tu peux te transformer en Super Sonic. Si tu connais Dragon Ball Z, c'est l'équivalent d'un Super Saiyan. Voilà. Ok Sonic Boomer. Ah ouais, oh, pas mal. Sonic Boom, ok Boomer, Boom. Ah ouais, là j'avoue. Il y a du génie là-dedans.
Ah non, je voulais pas tomber. Est-ce que je peux remonter? Oui. Mais franchement, vous pouvez pas comprendre à quel point je prends vraiment mon pied, moi, à faire ce jeu. Mais vraiment. Et encore, l'apothéose, ce serait si j'ai toutes les émeraudes dans Sonic 3 et Knuckles et qu'on arrive à la fin mythique, là, dans l'espace et tout. Ah, c'est là l'entrée d'Aiden Palace, normalement. Il fallait tomber dans un de ces trous. Mais ils l'ont pas fait, hein, je répète. Enfin, quoique non, c'était peut-être pas ici. Ah, non, c'est peut-être pas là, en fait. Je dis peut-être une connerie. Quoique, peut-être que si, parce que là, on arrive au boss. Allez, hop, viens là. Je vais te rouler dessus. Je m'en fous de tes pics. Ça me fait rien du tout. T'es mort. Regarde, sans bouger, je te tue. Mes deux passions personnelles dans la vie sont Star Wars et Sonic. Mais sérieux? Attends, il manquerait plus que tu kiffes Michael Jackson et... Et alors là... Oh non! Oh non! Oh non! Ouf! Oh, j'ai trop eu peur! Oh! Mon cœur a failli s'arrêter. Je crois que je vais refaire une save state. Save state. Save state. Voilà. Non mais attends. Moi, Harry Potter... Et un site gratuit actuellement. Attends, comment ça? Attends, tu aimes Harry Potter et un site gratuit? Ah, d'accord. Attends, non. Attends, je crois que c'est du gros troll, là, non? Tu parles de ce que t'es fan? Non, parce que je pense que le truc gratuit actuellement, c'est pas genre un site pas fait pour les enfants. À part si c'est un site de streaming, mais bon. Bon, je dois y aller, bonne fin de journée à tous. Et bah écoute, c'était un plaisir que tu sois passé, que tu sois resté avec nous un bon petit moment. Et bah écoute, bonne journée à toi et puis bah peut-être à demain hein, si t'es dispo. Moi je pense que je vais restreamer sur Sonic 3 du coup. Ah non, désolé, je déteste Jackson. Ah, bon bah voilà. Bah attends, il faut bien qu'on ait quand même quelques petites dissonances. Par contre, c'est vrai que c'est dommage si tu le détestes par le fait que tu crois qu'il est à toucher des enfants et tout ça, parce que bon, j'y crois pas du tout, mais... Je l'apprécie tellement pour l'artiste qu'il est. Mais bon, après, voilà, je vais pas argumenter. Tu l'apprécies pas, tu l'apprécies pas. Hein. On ne peut forcer à personne d'aimer qui que ce soit. Oui, je viendrai sûrement demain. Cool! A plus, ouais, ciao! Ni fou, je vais rouler dessus. Ouais, mais alors là, carrément. Oui, une sorte de site de streaming. Ouais, ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Robotnik, mais... Il fait trop rire. Robotnik, mais c'est du jeu. Ah non, pas seulement. J'aime pas ces musiques, simplement. Ah, ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Bon, c'est louable. Très bien. Oh là. Mais tu sais que... What? Ok, d'accord. Tu sais que c'est énorme parce que moi, mes trois passions, tu vois, c'est Star Wars, Sonic et Michael Jackson dans des domaines différents. Tu vois, la musique, le jeu vidéo, le cinéma. Et le truc, c'est qu'elles se regroupent toutes dans Sonic. Parce que... à partir du 3, Eggman, il construit... Il construit une station à son effigie qui lui ressemble et c'est une station en forme de sphère comme l'étoile noire. Et en fait, elle fait directement référence à Star Wars, c'est directement une référence, il s'en cache pas, hein, c'est du Star Wars. Et en fait, ils ont fait ça pour référence à Star Wars et c'est juste ce qui change, c'est l'étoile de la mort mais avec la tête de Robotnik. Mais en même temps, pourquoi est-ce que ça regroupe aussi Michael Jackson? C'est parce que Michael Jackson avait composé des musiques pour Sonic 3. Le problème, c'est qu'il trouvait que le son de la Mega Drive ne rendait pas hommage à ses musiques. Donc finalement, il s'est retiré du projet. Mais il n'empêche que ces musiques ont été plus ou moins conservées. Elles ont été un peu remaniées. Et on les retrouve plus ou moins dans Escape Zone. Qui fait penser, je crois, à la musique... Smooth Criminal,
Et je crois dans un autre aussi, la musique des crédits de Sonic 3 qui fait penser à Stranger in Moscow aussi de Michael Jackson. Et c'est incroyable. Et donc du coup, bah, ça fait une réunion dans un seul et même jeu de mes trois passions, Sonic, Star Wars et Michael Jackson. C'est un truc de dingue. Oui, le Death Egg, ouais, exactement. Le Death Egg. Et puis, c'est... non, mais t'as raison en plus de dire Death Egg, parce que ça fait penser à Death Star, Death Egg, c'est encore plus la référence, quoi. Ouf. Je déteste ces hippocampes, si vous saviez. Là, il va y en avoir, je vais me faire bousiller. Quoi ? C'est quoi qui m'a touché ? Mais non ! Je refuse ! Je refuse ! Mais non ! Ah, j'ai fait tellement attention, je suis dégoûté, là. Oh, mercredi. Oh, je suis deg ! J'avais tout fait bien. En plus, j'aurais largement pu les avoir, les 50. Ah là 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 là. Ta 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 ta. Je suis déjà passé par là, mais attends, mais c'est pas le bon chemin? Ah mais oui, parce que je suis tombé, en fait. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Mais là, de toute façon, je les aurais pas, les 50 pièces. Hein. C'est mort. Bug ? Ah bon, comment ça, il y a un bug ? Comment ça, il y a un bug ? Il y a eu un bug du stream ? Dites-moi, vous êtes toujours là ou pas ? Parce que là, moi, tout fonctionne hein, de mon côté. Faites-moi signe hein, si vous êtes là. Non mais c'est pas affiché. Ah mon mess c'est pas affiché. Ah sur ton mur. Ah bon? Et c'était quoi ton message? C'est bon, t'es mort. MJ, je l'ai personnellement rencontré. Il est pas mort. Et non, il viole pas les tiens. Je suis désolé, mais comment tu veux que je te croie maintenant? Oh, je sais pas qui t'aime, mais tu me fais délire. Oui, toujours là. Ah, tant mieux. Déjà rien que pour Star Wars, dont je suis fan depuis que j'ai 5 ans. Et j'ai chez moi 6 bibliothèques d'environ 240 romans et comics légendes et canons et ma copine me prend pour un malade avec cette passion. Waouh. Mais écoute, c'est quoi? Je crois qu'il n'y a rien de plus respectable d'avoir une telle passion et de s'y adonner autant. Enfin, c'est génial, moi, je trouve. Génial. Quand je vois des gens qui sont hyper passionnés par Star Wars, qui ont des collections comme toi et tout, c'est pour ça que quand je faisais les vidéos vos collections, quand je voyais les gens, la collection des gens et tout ça qu'ils avaient, mais... Moi, ça m'a toujours impressionné. Merci, Yod. T'as cette musique aussi, mais... Oh là là. Mais là, vous savez, on est au dernier niveau, là. Hein. Enfin, le dernier vrai niveau, entre guillemets. Parce que là, on s'approche très dangereusement de la fin. Sauf que lui... C'est le seul niveau
qui a trois actes. D'ailleurs, je le détestais à l'époque, ce niveau. J'avoue que je l'apprécie toujours pas énormément. Mais vraiment, à l'époque, c'était la bête noire. Je le détestais. Pour moi, dès que j'arrivais vers la fin d'un niveau, c'est bon, c'était la délivrance. Enfin, surtout quand t'es pas en supersonique. C'est horrible. Avec toutes les picouses, là. Et ça, là. Elle, là, qu'est-ce qu'elle m'énerve. C'est encore plus haut. Encore plus haut. Wow. Yes. Moi, ma passion HP s'est unie avec celle pour l'autre site quand J.K. Rowling a annoncé sur Twitter que Ron s'est fait surprendre en train de se... par sa mère 8 fois sans blague. Tu sais, je connais quelqu'un d'autre qui est fan de Harry Potter et qui pourrait faire les mêmes blagues que toi. C'est mon cousin, donc si c'est pas toi, tu t'entendrais très bien avec lui. Ah là là. Allez, premier acte. Torché. Sait-on jamais? Bah oui, évidemment, sait-on jamais. Tu sais, je le soupçonne depuis ton premier message, depuis que j'ai lu ton pseudo. Mais bon, chut. Ouh. Ça c'est bon ça. Allez, dépêche. Ça sert à rien ça, pourquoi je le prends? Ah. Non mais je suis pas ton cousin. Ouais mais je te dis que tu t'entendrais très bien avec lui. Preuve, je suis pas modo de la chaîne. Oups. Ouais, parce que comment est-ce que tu saurais qu'il est modal? Hein? Après, tu peux être sa sœur, hein, mais... Putain, j'ai plus que 28 pièces, mais my god! Les rings fondent comme neige au soleil? Donc là, il y a du soleil dehors, mais il y a encore de la neige récalcitrante. Hein. On roule tellement sur les niveaux quand on est en supersonique. Faut quand même faire attention, parce que tu peux te faire écraser à chaque fois, à tout moment. Ou tomber dans des trous, c'est encore pire. Mais là, ça fait tellement plaisir de mettre des mandales aux mantes religieuses, là. Yes! Allez! Plus qu'un niveau. Non, mais c'était du mentalisme. Bah, bien sûr. Allez, un petit coup d'eau. Je me rappelle que ce niveau-là, c'est soit tu réussis à devenir supersonique assez rapidement et tu peux espérer rouler sur le niveau assez aisément, soit
Allez, voilà, putain. Allez, t'es sûr. Soit tu galères. Et je sens que c'est ce qui va m'arriver, parce qu'entre les mentes religieuses et tout le reste... Logique internet. Attends, quoi? Attends. Ah, mais putain, mais c'est pas vrai! Si t'as un coup sur une petite chaîne, c'est évident qu'il est modal. Oui, voilà, c'est du mentalisme. Que la force soit avec toi, merci. Vador Killer. J'ai zéro pièce là. C'est ce que j'avais dit, c'est soit tu. Soit t'as la chance d'être supersonique, soit voilà, je vais m'en voir pendant tout le long. Mais c'est... Mais non. Allez, allez, allez. T'as 31 pièces. Et là, il va y avoir une petite menthe religieuse, là. Ça va faire du bien. Et je vais tout perdre. En plus, ouais, je crois qu'il y en a une ici. Oh mon dieu. Oh, là, il va y avoir des... Non, mais ça, c'est intuable. Ah, ça m'énerve. Oh, c'est pas vrai. Bon, ben, c'est officiel, je vais galérer. Et voilà. Ah, celle-là, mais... Celle-là, mais c'est ma hantise. À chaque fois, je me la prenais. Mais c'est que c'est midi et quart chez moi et je commence à avoir un petit peu faim là. Mais on termine avant. Bon, si je suis un troll, je te réponds. Donne-moi 3 pseudos de trollers potentiels. Et je te dis si je fais partie de ces 3. Et Kishni sur Sonic 2. Eh hey Marco! Ah, ça fait trop plaisir de te voir ici. Dommage que t'arrives un peu sur la fin. Dis-toi qu'on a toutes les émeraudes, qu'on réussit à se transformer en Super Sonic. Mais le problème, c'est que dans ce dernier niveau-là, pour avoir 50 pièces, c'est la merde. Donc tu me demandes de citer des trolls potentiels. Donc moi, je te dirais bah, mon cousin. Je te dirais aussi Anthony. Qui était mon collègue au lycée. Mais il y en a plein, il y en a plein, parce qu'il peut y avoir Blue Mask aussi, qui est réputé pour toujours me faire des bonnes blagues. Qui c'est qu'il peut y avoir aussi? Bah, il y a forcément la sœur à mon cousin aussi, je suis sûr, elle pourrait me troller pareil. M'en fous, tu recommences depuis le début. Hey, j'ai déjà recommencé! Depuis le début, parce qu'à un moment j'ai eu un bug et j'avais pas fait de save state. D'ailleurs, en parlant de save state, on va en faire au cas où j'ai un autre bug. Donc bah écoute, tu prends comme ça vient. Mais dis-toi un truc, c'est que demain, à peu près à la même heure, donc du coup un peu avant, enfin ce sera vers, je sais pas moi, 14-15 heures, je compte faire Sonic 3 et Knuckles. Mais pfff. Raté. Ah, ce n'est pas grave. Mais il y a d'autres qui pourraient me troller. J'ai pas de noms qui me viennent en tête, mais... Bon, après... Après, évidemment, il pourrait y avoir Kill aussi qui pourrait me troller. Oh, j'ai plus de pièces. Voilà. Je suis mort. Ce boss, il est horrible.
Ah mais tu triches, t'es sur un émulateur, tu peux sauvegarder. Ah non mais je sauvegarde que si j'ai un bug. Regarde, la semaine dernière j'ai fait Sonic 1 et à un moment j'avais presque plus de vie, j'ai dû utiliser un continu. Mais à aucun moment j'ai utilisé de save state pour... Si jamais à un moment j'ai un game over et on recommence tout. Je n'utiliserai jamais les save states pour ne pas avoir à tout refaire. Alors, il y a peut-être un moyen que j'utilise les save states pour ne pas tout refaire, c'est quand on va être au dernier boss là. Parce que lui, je pourrais tout perdre à ce moment-là. Mais bon, on va essayer vraiment d'être... comment dire... d'être honnête jusqu'au bout. Non, c'est pas mon genre. Un kill. Ah, un petit peu quand même. Bon, ça y est, on en a fini. Oh putain, Sky Chess. Mais alors là... je me la ferme et puis écoutez quoi. GG pour le final, merci. Sinon, j'aime beaucoup ce que tu fais, Marco. C'est vrai, moi j'avais regardé quelques-unes de tes vidéos. Est-ce que tu continues d'ailleurs, Marco? Parce que c'était à chaque fois vraiment méga intéressant ce que tu nous sortais. T'en es où dans GOT? J'ai terminé l'épisode 4 de la saison 7. Donc, je pense que j'aurai fini GOT ce week-end. C'est clair, parce que je compte le finir aujourd'hui. Je compte le finir aujourd'hui, la saison 7, je parle. Donc, je ferai une vidéo certainement aujourd'hui, qui arrivera ce soir ou dans la nuit pour vous, ou demain matin. Et dimanche, je crois que je vais me consacrer à la dernière saison, les 6 derniers épisodes, ça c'est clair. Je l'aurai fini ce week-end, à part si j'ai un empêchement vraiment ou quoi que ce soit, mais ça m'étonnerait. Merci, ça me fait plaisir. Allez, Super Sonic. Alors, pas faire trop le con ici, parce que déjà que Tails, il a un peu de mal à suivre. GG, merci Vador Killer. Ah mais d'accord, en fait je me suis transformé pour que dalle. Ici c'est un peu la mauvaise idée de se transformer, mais bon, faut faire attention, c'est tout. Putain, il est tellement mythique ce niveau. Et là on est presque à la fin. Là on est vraiment sur le point de terminer. C'est pas une très bonne idée d'être en Super Sonic ici. Ouf! Oh, j'ai eu de la chance! Quoique, si, c'est bien d'être Super Sonic ici parce que... ça te permet de... de couper une partie du... quoi? Oh, les enfoirés! Ils avaient prévu ça. Oh, les enfoirés. Bon, d'accord. On va refaire ça tranquillement. Mais écoute, j'ai arrêté. Parce que j'avais peu de temps pour m'occuper de la chaîne. Mais là, vu qu'on est en confinement, je t'avoue que je pense sérieusement à tirer parti des situations. Tu fais bien. Je crois que tu fais bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont en tirer parti. Tu écris toi-même des scénarios, Marco?
par là, on va quand même y aller, hein, par là. J'insiste. Juste qu'on va pas sauter trop haut pour pas se faire avoir. Voilà. Merde. Y a pas un passage là? Ah, je croyais. C'est plus tard. Il n'y a pas quelque chose là? Ah non, trop tard. Ah oui, ce niveau. Ce monstre, il faut absolument être un supersonique, hein, parce que sinon c'est invitable. Allez, Sésame, rouvre-toi. Allez, ça c'est bon. Allez, ouvre. Dégage. Dégage. Une vie. Allez, c'est parti. On s'en va vers le dernier boss. Et le problème, c'est que le dernier boss, bah, t'es obligé d'avoir 0 pièce. Donc là, en fait, on va perdre toutes nos vies. Voilà, voilà. Pas pour le cinéma, mais oui, j'en écris la plupart du temps. C'est plutôt pour des films d'entreprise. Ou alors, j'interviens pour lire des scénarios de projets en développement. Et toi? Oh là là. Et là, je suis plus supersonique. Boum. Bon, on a 9 vies, plus certainement des continues, pour finir le jeu. J'espère que ça va suffire. Parce que alors là, on peut tout perdre maintenant. Hein. On peut vraiment, vraiment tout perdre là. Parce que là, c'est chaud en plus. Metal Sonic et tout, il est trop chaud. Moi, je vais faire une save state. Hein. Je dis pas que je vais l'utiliser, mais ce sera du on sait jamais. Parce que recommencer le jeu à partir de maintenant... Et Super Sonic ressemble à Sangoku en fait, mais oui. Bah en même temps, c'est calqué dessus, hein. C'est calqué sur... sur Dragon Ball Z, hein. Yes! Putain, en plus on a gagné une vie. Perso, je commence à écrire une série, mais je suis en train de faire la Bible. C'est la série histoire d'être prêt. 2 heures de live. Ouais, c'est vrai. Mais là, on a bientôt fini normalement. C'est juste que ce monstre-là, il est un peu chaud parce que des moments, il y a des bugs et tu peux passer à travers ses griffes. Mais tu sais quoi, on va la jouer safe. T'as la musique. Non, mais la musique, les gens. On va la jouer safe. Hein. On va compter les coups, ok? On en est à 1. On en est à 2. Regardez-moi ça, putain, on est dans l'espace et tout. Puis cette musique! Bonne chance, merci Vador. As-tu déjà eu un ou plusieurs supports de diffusion en tête? 3. Je crois qu'il y a 13 coups, mais je suis pas sûr. 4. Je crois qu'il y en a moins. Kishni est chaud bouillant là. Ah ouais, ouais, ouais. Non, parce que ce monstre il me fait trop peur. C'est ironique car Sonic a calqué des BZ pour le Super Saiyan. Pareil que Super Sonic. Attends, je suis à combien là? Je suis à 4 ou 5? Je crois que là... Oh, voilà, voilà, voilà le bug. Voilà, je suis passé à travers. Ça, c'est horrible. En plus, tu dois te refarcir... Oh putain. Non mais ça, je déteste quand ça arrive. C'est ironique car Sonic a calqué des BZ pour le Super Saiyan 1. Pareil que Super Sonic...
Et une décennie plus tard, c'est DBZ qui a calqué Sonic avec le Super Saiyan Blue qui ressemble au stade d'Hyper Sonic. Ah, c'est vrai ça ? Format 330, je pense. Oh là là ! En plus, Metal Sonic, j'ai eu la chance de pas me faire avoir tout à l'heure alors que c'est chaud. Yes ! Yes ! Yes ! Bon, on compte ensemble, les gars, là. Trop peur de passer à travers. Jim Carrey jouait déjà dans le jeu. Ouais. Deux. Mais franchement, c'est pas épique là. Ah, je suis désolé, mais moi je trouve ça tellement épique. 3. Je crois que t'as du retard, Vador. On en est à 3. C'est bien, vous comptez avec moi. 5. Six. Allez, je pense qu'on est à la moitié. Wesh, qu'est-ce que t'as? Sept. Huit. Alexandre Astier a dit que l'humour n'est pas vraiment un genre, mais un vernis qu'il faut savoir doser. Oh, tu vas te faire un ami avec Kim, hein, parce qu'il adore Kaamelott. D'ailleurs, moi, après Goth, je regarde Kaamelott. 9. Allez. Dix. Ah, je crois que là on est à l'avant-dernier ou au dernier coup là. Yes, 12, c'est fini. Hey Shanda! Merci Kill, merci Odd. Mettez le son à fond. Merci Vador, merci Anthony.
de classe. Ouais, pour le film de Kaamelott, moi ça m'arrange pas trop qu'il soit avancé parce que ça veut dire qu'il faut que je termine avant qu'il sorte. Mais bon, s'il y a le coronavirus, on peut même pas aller au cinéma. Bon, bah c'est très bien. J'avais lancé aussi sur le dans l'onglet communauté il y a une semaine déjà, je crois. J'avais lancé un message pour vous demander de me poser des questions pour une FAQ. Je pense que je vais faire la FAQ en live. Comme ça, je prendrai peut-être d'autres questions si des gens ont des questions directement en live. Je prendrai note des questions qu'on m'a déjà posées parce qu'on m'en a déjà posé pas mal. Et je comptais faire la FAQ en live. Mais le problème, c'est que je sais pas quand la faire. Ça dépendra de quand je vais finir GOT. Mais si bien, j'attendrai le week-end prochain pour la faire. Si j'ai pas le temps ce week-end, je la ferai le week-end prochain. Mais je pense que je la ferai en live. Bon, bah c'est cool. Ah, je suis bien content que vous étiez une petite poignée là, à être avec moi pour suivre ce live-là, qui a duré plus de 2 heures. Puis bah là, c'est 12h36 ici, et je vous cache pas que je commence à avoir un petit peu faim. J'ai pas pu travailler à cause du coronavirus. Ah ouais. En fait, je me souviens où tu en es dans GOT. Pourquoi c'est une question? Ah, tu te souviens plus? Parce que oui, tu me l'as posé déjà la question. Mais je t'ai dit, j'ai fini l'épisode 4 de la saison 7. Il me reste 3 épisodes. Et là, j'en suis à... Ça s'est terminé comment? Ah oui! Il y a... Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles. Mais il y a Daenerys à dos de son dragon qui a enflammé l'armée de Jaime Lannister et qui a failli tuer Jaime d'ailleurs aussi. Prochaine étape Sonic 3. Ouais, bah demain. Demain, je pense vers 14h. Fais voir, ça fait quoi 14h? 14h ou même... entre 14 et 15h, ouais. Je pense. Entre 14 et 15h, ouais. Et du coup, j'ai avancé mes vidéos et j'ai le temps. Ah bah oui, ça c'est clair. Je me souviens plus. Ah, ok, la vache, t'as tracé en fait. Mais oui, mais là, je trace à fond là. C'est God, pas Sonic qui se dit. Ah, tu fais des liens. Oh putain, j'ai pu mute juste. Ah ouais? Ah merde, ah ouais, putain. Heureusement. J'adore le sound test. Ça se passe, tu joues à deux. Je crois que c'est quand tu joues à deux, ça. Ou alors, est-ce que ce serait pas la musique d'Aiden Palace? Attends, faut que je vous montre un truc. Hunter at Syntest 196509 10
press A plus Start. Then when Sonic and Tails pop up, press A plus Start to go to Level Select. On the sound test area, enter, ok, and then press A plus Start. This is an alternate debug to the other. Ah ouais, mais non, on va pas faire tout ça. Laisse tomber! Ok, bon, bah écoutez, on va se laisser là, merci d'avoir été là. Non, c'était cool, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques personnes comme ça qui me suivent dans les... dans mon aventure sonicienne. Et effectivement, demain, on essaiera de se trouver une ROM avec Sonic 3 et Knuckles en même temps. Ça s'annonce vraiment cool. Et ensuite, je sais pas si on se fera Sonic CD. Si vous êtes chaud, on se fera Sonic CD, mais je le connais pas trop bien, Sonic CD. Et après, c'est clair qu'on se fera Sonic 3D. Après, ce serait bien que tu fasses les Sonic 3D en live, mais en plusieurs parties, vu qu'ils sont plus longs que les 2D. Tu sais que, franchement, Anthony, c'est vraiment un rêve pour moi de vouloir faire ça. Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Unleashed, c'est un rêve. Mais tu sais quoi? Je crois que ça, je le ferai uniquement quand j'aurai la PlayStation 5 et que je pourrai adhérer au... comment on appelle ça? Au PlayStation Now, et que je pourrai y jouer et diffuser mon jeu comme ça, parce que sur PC ça passera jamais. J'ai pas un bon PC pour ça, à part si je m'achète un gros PC, mais je m'en suis déjà acheté un récemment, celui que j'ai là. Le problème c'est qu'il a pas une super bonne carte graphique, il est bon pour d'autres choses, mais ça m'a déjà coûté cher. Plaisir partagé, bon, même si tu triches, mais arrête tes conneries. Bye mon alter égal. Salut Kish Nifou le vrai. Ouais, c'était cool, on se retrouve demain. Et puis non mais vraiment Anthony, ça c'est un truc, mais j'ai envie de le faire depuis des années, de pouvoir faire les Sonic 3D en live. J'ai trop envie de le faire. Mais bien sûr, il y aura Sonic Heroes, il y a Shadow the Hedgehog à faire, il y en a tellement. Mais on s'arrêtera là, peut-être Sonic Colors, mais on n'ira pas plus loin. Peut-être Sonic Génération, mais on n'ira pas plus loin. Allez, c'était cool. Merci d'être passé, et puis bah je vous dis à demain. Et puis peut-être à une prochaine aussi, très récemment, pour la vidéo débrief sur la saison 7 de GOT. Allez, ciao tout le monde.